confiance. On part. Bon les boys, on se retrouve à la salle, comme vous pouvez le constater. On a un tout nouvel appareil photo qui a coûté une somme vraiment absolument astronomique. Donc j'hésite à mettre en place un Tipeee pour que cet appareil photo soit remboursé. Ceux qui ont la ref, vous êtes les best. Bref, donc aujourd'hui, training. L'objectif, ça va être de voir un petit peu où je me situe post-Covid. On fera le récap des championnats du monde prochainement, où je vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé avec le fait que je me sois fait un lumbago quelques jours avant, le fait que j'ai chopé le Covid et que du coup j'ai fait un truc assez compliqué, une journée assez compliquée. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, depuis, j'ai repris l'entraînement et je vais vous montrer un peu où j'en suis post-Covid. Je crois que j'en suis à 2 semaines post-Covid, quelque chose comme ça. Et évidemment, donc en gros, mes meilleurs perfs avant les championnats du monde, c'était 266 au squat. Allez, 160 au bench. Et 290 au soulevé de terre. Donc là, on va voir aujourd'hui où je me situe par rapport à ces pairs, sachant que dans une semaine, jour pour jour, je participe au Silent Worker Meet. Donc ce sera le 2 juillet à Saint-Germain-en-Laye et je participerai au Prime Time. Le Prime Time, c'est quoi? C'est tous les meilleurs athlètes français. On va participer ensemble, indépendamment des catégories, des poids, etc. Hommes, femmes, machin. On va faire des groupes. Vous allez voir, ça va être vraiment incroyable. Pour ceux qui sont en région parisienne, n'hésitez pas à venir checker le Silent Worker Meet. Donc sans plus tarder, je prends mes compléments et on se met au trabajo. Et aussi, je vous présente une personne que les OG reconnaîtront. Ceux qui sont dans la force depuis 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc, il s'agit de Alexander Tarinidis. Nouveau challenger, donc il s'agit de mon petit frère. Donc pour ceux qui ne savent pas, Alex faisait de la force il y a quelques années de ça. Et du coup là, il est sur un comeback. On est en train de préparer une série de vidéos ensemble où l'objectif sera de montrer en fait quel programme on fait et comment il va retrouver son niveau d'antan. Donc les meilleures perfs que tu avais fait, c'était quoi? C'était 2,15, 2,20 au squat? En compète? Non, à l'entraînement comme ça. L'entraînement de 25. Moins de 66? 68, je pense. Ouais. 67,5, 68, au bench 142,5 et au terre, ma meilleure perf c'est celle que j'ai fait en compète de 36. Ok. Que mon record représente. En fait. Voilà. Donc, du coup, l'objectif ça va être ça, vous montrer un petit peu le comeback, le training et à votre avis, en combien de temps va-t-il retrouver son niveau? Moi j'annonce 3 mois. Dans 3 mois, il faudra que tu aies retrouvé ton niveau. Le niveau d'avant les perfs? Ouais, genre 2,20, 140 et 2,30. À ce poids de corps là? Ouais, t'inquiète, ça c'est une info secrète. Ça c'est les blueprints, ça bougera pas. Donc voilà, donc d'ailleurs si cette vidéo, cette idée de série vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Je sais pas si on fera un ou deux ou trois épisodes, donc en fonction de ce que vous me dites, si ça vous intéresse bien, on en fera plusieurs et voilà, ça pourrait être cool. Comme ça je vous montrerai quand vous avez arrêté de vous entraîner pendant une certaine période de temps, qu'est-ce que vous pouvez faire, à quoi vous pouvez vous attendre et voilà. Sachant que c'est un petit peu ce que je vis maintenant avec mon post-Covid, donc je pense que ça peut être des sujets assez cool. Voilà. Bon, on a assez parlé, on se met au trabajo. Bon, je vous montre les contenders, les challengers pour le meet. Rican DF, représentant la Guyane. The Final Solution. The Final Solution, aka le meilleur athlète guyanais, je veux rien savoir. Frérick. Frérick, hashtag. Hashtag Frérick dans les commentaires. Donc, Rick va participer au prime time samedi soir. Pour ceux qui veulent voir cet étalon lifté, vous savez où ça se passe. On aura évidemment our big boy, Matthew, aka le meilleur athlète du Liban, de l'histoire du Liban. Le sapin dans le cœur. Le sapin dans le cœur, directement. Donc tu liftes quand? Plateau 1, dimanche. Voilà, matin ou après-midi? Matin. Donc, matin. Donc pour tous les Libanais qui veulent soutenir le meilleur athlète libanais, ça se passera dimanche matin. Apparemment j'ai de la concu maintenant en France. Ah ouais? Ouais. Il y a un Libanais? Il y a des concurrents libanais maintenant. Ok. Mais t'inquiète. On va régler ça le dimanche. D'accord. I like that. I like that. Évidemment, il y aura ma cousine et Yael, tous les mecs qui font la DM. Voilà, je vous jure, elle va m'envoyer tous les DM. Et on va vous envoyer une équipe Guyano, une équipe Guyano-Libanaise. Vas-y. Donc, tu liftes quand? Samedi à
Voilà, donc pour soutenir la famille, venez avec les caravanes, venez avec les vuvuzela, on va soutenir à fond. Et du coup, bah, évidemment, comme je l'ai dit, moi je lift samedi soir avec Rick and D. Donc là, on va commencer le training. Du coup, évidemment, pour faire un bon training, il faut des bons compléments alimentaires. Vous connaissez votre boy, full Nutrimuscle, NM-Panalys. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, ça va être combo mix focus caféine. L'avantage, c'est que ça coûte pas très cher. Et pour moi, c'est les meilleurs compléments pour la force parce que si vous avez plus de concentration pendant votre entraînement, vous allez avoir une meilleure appréciation de votre technique, de votre forme, de vos RPE. Et donc, si jamais vous avez 1% de focus en plus sur 200-300 séances à l'année, c'est colossal en termes d'avantages. Donc, on ne veut pas forcément des compléments nécessairement protéines et tout. Évidemment que c'est très intéressant, mais pour l'entraînement, le meilleur complément de loin, c'est un complément pré-workout de focus. Et donc, si vous jamais vous voulez utiliser ce que j'utilise, mix focus, caféine, NM-Panadis pour 10% de réduc pour vous et un soutien infini pour moi et pour la maison de la mama à Mykonos, évidemment. On part, on part, on part, on part, on part.
caresse-moi la cuisse, gros. Caresse-moi la cuisse. Oh putain. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, en gros, je vous fais un raccourci très court. Mathieu ici présent veut sortir avec ma cousine ici présente. Pour sortir avec ma cousine, je suis comme les darons à l'ancienne, il faut que le mec il soit alf. Ok, c'est un mec bien, gentil, intelligent et fort. Donc, il doit faire 3 performances au Center Core Meet dans une semaine. Il doit faire 2-10 au squat, 130 au bench et 2-50 au deadlift. Ok. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il a fait le triplé, il est en mode, tu vois, j'ai fait le triplé, si je peux faire 2-10. Donc, il m'a caressé la cuisse en mode, je vais pouvoir sortir avec ta cousine. Moi, honnêtement, j'ai vu le triplé. Je suis en mode, s'il y avait une mouche à un moment qui s'était posée sur une des plaques, ça aurait fini sur. S'il y avait eu un peu de vent, ça aurait fini sur Jim Fockery, tu vois. Genre le mec, il aurait lâché la barre en haut, ça aurait fait un trou dans le plafond, il y aurait des souris qui seraient tombées sur lui, enfin, ça aurait fait un trou. En soi, je laisse me caresser la cuisse avec plaisir, parce que honnêtement, je pense qu'il y a plus de chances que la foudre frappe le gymnase pendant la compétition. Oh putain, on prend la face, ne serait-ce que une des trois barres qu'on a annoncé. Mathieu, t'as entendu? Qu'est-ce qu'on dit? On verra. Oh là 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 là. Et ah oui, s'il arrive à faire les performances, je l'invite moi au resto avec ma cousine. D'ailleurs, t'étais pas au courant, mais je te l'apprends. Donc, je l'invite au resto avec ma cousine, resto Tour Eiffel, et c'est moi qui paye pour tout le monde, je ralasse. Ok. Par contre, s'il n'y arrive pas, c'est lui qui m'invite au resto, Tour Eiffel, et c'est ma main sur sa cuisse à lui. Oh! Tu confirmes? Mais, attends, en off, pendant qu'on était en Normandie, il m'a dit, bon, il n'y avait que lui et moi, il m'a dit, on pourrait revoir les termes du contrat, s'il te plaît? Genre, on pourrait alléger la défaite, par exemple, on partage l'addition ou quoi? Et on va flincher. Et là, tu vois, vu qu'il est venu me caresser les cuisses quand même avec beaucoup d'envie, ouais. Gros, je te réponds là devant les boys, wow. Non, je ne peux pas revoir les termes du contrat. T'as parlé, t'assumes. 2-10, 130, 250. Tu rates une des trois, ma main sur ta cuisse en haut de la tour Eiffel. Il y a eu un 2-15. 2-15. Il a placé, tu vois, la barre elle a pas décollé du sol. Allez, c'est soudé. Il a mis 2-10. Ah, c'est la gravité qui a gagné. La gravité. Du coup, les boys, dès que vous voyez notre rhinocéros se préparer pour aller faire son adif, s'il vous plaît, levez les mains en l'air, Genkidama, envoyez-lui. Ah ouais, lourd. Vous savez, lourd les gars. En avoir besoin. Et au passage, j'en profite pour le présenter en facecam. C'est probablement Mathieu qui va monter une grande partie des vidéos qui sortiront sur la chaîne. C'est mon monteur. Je vais le payer en photo de ma cousine. Donc dès qu'il va faire une vidéo, je vais envoyer une photo de ma cousine. Évidemment, évidemment, photo genre un visage qui va capter. Photo d'identité. Peut-être s'il fait des bêtes de vidéos, ça va descendre un peu au niveau du cou là, mais ça descendra pas plus bas. C'est quoi ton pote là? Il est en train de dire qu'on brainstorming pour le mythe. Donc là, il y a les professionnels qui sont en train de faire genre et boss pour de préparer le mythe. Il y en a en bas qui font du vrai. Il y en a en bas qui font du vrai trabajo. Ma gueule, si tu sais que si t'as écrit des hiéroglyphes sur une feuille de papier, ça veut rien dire hein. T'es au courant? Eh, regarde là, la maîtresse d'école. Waouh, la française. Donc si c'est pas bon, ta bosse. Hein. Eh, voilà, ils ont intérêt à venir. Hein. Entrez. Achetez des trucs. Excusez-moi. Désolé, si vous squattez pas 3-10, vous ne pouvez pas pénétrer dans cette pièce. Ça, il est tombé à l'eau, hein. Non, pas 3-10. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui. Hashtag Furyk dans les commentaires. Mystery. Est-ce que ma voix bosse, pardon. Je voudrais savoir s'il n'est pas trop tard pour avoir un t-shirt spécial. Pour moi, s'il vous plaît. Là, c'est trop tard. C'est trop tard, bon, c'est pas tard. C'est dire que là, la réponse est non. Bah non, la réponse est non. Là, tu vas faire un maximum pour squatter 3-10. Non, mais je n'ai pas mon contrat déjà. Ah oui. Dès que tu vois le dernier terme, 3 red light, je te regarde. Je te fais. T'as dit 3 red light? White. Ah d'accord. White, my English is very good. Ouais, je suis sûr. Ok, mais ça va être 2 kilos de plus ou de moins que ton souhait? La question n'est pas là. Nous, on cherche un total à la fin. On s'en bat les couilles de l'or. Plus, moins, on s'en fout. N'oubliez pas d'envoyer vos CV pour la team Guyane, les boys. S'il vous plaît. La team Guyane. Et si vous avez une cousine, n'hésitez pas à la rajouter en vrai. Vous pouvez envoyer son CV à la cousine. Bon, mes boys, on se retrouve. Petite interlude avant le bench et le deadlift. Donc, je viens de finir mon squat. En vrai, je suis assez content de comment c'est revenu parce que c'est mes meilleures barres depuis ma reprise post-Covid. Donc, en vrai, je suis assez content. Donc en gros, c'est ma deuxième semaine d'entraînement depuis mes championnats du monde et du coup le Covid. Franchement, sur ma première séance où j'étais monté en première, je crois que j'étais monté à 230 et c'était assez dur. Et là du coup aujourd'hui j'ai fait 255, donc on est sur un...
On est sur un plus 25 en 2 semaines, ce qui est plutôt pas mal. Bon, évidemment, j'ai pas progressé de 25 kg en 2 semaines, j'ai retrouvé 25 kg sur mon meilleur niveau en 2 semaines. Sachant que, comme je l'avais dit, pendant ma prépa pour les championnats du monde, ma meilleure barre c'était 266. Et aujourd'hui, je pense que je devais être capable de squatter dans les 260, au max, max, max. Donc, je suis quand même plutôt bien revenu au squat. Donc maintenant, place au bench, place au deadlift, et on verra ce que ça donne à la fin de la séance pour le Meet, rappelez-vous, le 2 juillet à 18h à Saint-Germain-en-Laye. Entrée ouverte, gratuite au public. N'hésitez pas à venir, franchement, ça va être un week-end incroyable, full centré autour de la force, et j'ai envie qu'on vive ça ensemble avec vous, donc n'hésitez pas à venir vous déplacer, les boys. Rick Andy, tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer? Ouais. Moi j'ai fait le Rick Andy une spéciale. C'est quoi la spéciale Rick Andy? Faire de la merde. C'est faire de la merde? Ouais. Mais tu sais que je pense que tu fais pas... Je fais pas exprès? Non, je pense que tu fais pas vraiment de la merde, tu vois. Rappelle-toi, on a dit quoi? On a dit on est là pour bosser, tu vois. Là l'erreur pour toi c'est quoi? J'étais pas focus. Gros, tu t'es endormi en bas. Non, c'est ça, c'est ça. Tu t'es endormi en bas. C'est-à-dire t'es descendu. Je suis descendu, je me suis dit après, il faut que je pousse. Et là, quoi, et avant, voilà. Avant en squat, j'ai descendu, j'ai dit merde, faut que je pousse pour monter. Donc, le conseil du professionnel, c'est ne pas s'endormir, rester focus. Voilà. Je reste tendu et je repars. Voilà, c'est quand vous arrivez en bas, faut remonter. Il faut remonter. Voilà, au squat ou au bench. C'est ça. Ok, donc est-ce qu'on aura d'autres conseils pro Rick? Je fais mon top 7. Rick, coaching, training pro. Sur les prochaines séances. Exactement. Okay, avec des hashtags. Bon les boys. Donc je viens de finir mon bench. Alors là on dirait pas, mais c'est extrêmement lourd. Je suis en train de porter la caméra comme ça. Elle fait plusieurs kilos et donc j'ai les épaules complètement fumées. Donc je viens de bencher 155. C'est mon meilleur bench depuis la reprise post-Covid également. Je suis assez content parce que sur les autres jours où j'ai benché dans la semaine passée, j'avais beaucoup plus de douleur et en fait les barres étaient lourdes et j'avais un mauvais ressenti à cause de la douleur. Donc là aujourd'hui j'ai eu quasiment pas de douleur. Je suis plutôt content sur ça. Mais en fait si vous voulez, dans la semaine, il y a deux jours où j'ai pas benché, j'ai fait du bench halter à la place. Et honnêtement, là je me suis senti beaucoup mieux aujourd'hui. Donc en fait c'est ça qui est aussi important sur vos trainings, c'est vraiment d'essayer de trouver les paramètres qui font que vous êtes plus en forme ou moins en forme, que vous avez plus mal ou moins mal. Et dans mon cas, comme je vous l'ai dit, je pense sincèrement que le bench halter me fait du bien et réduit mes douleurs. Donc là aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais à faire sur le bench à la barre et du coup je vais passer au volume sur le bench aux haltères pour maintenir du volume, maintenir du stress et en évitant les gênes et les douleurs sur mon bench. Les boys, je dédicace cette rep à mon caméraman que je love et qui s'échauffe avec ça, mais sur la barre, tu vois. T'as capté? Vas-y, Rick Andy, j'ai besoin d'un son pour. D'un son puissant. Mets-moi le major.
Gros, je veux le major. Là, je veux le major. On va réveiller les morts. Et Candy, j'ai mis mes bons poignets, je commence à plus sentir mes mains. J'ai besoin du major. C'est parti. En détresse quand il m'a donné les haltères. Carrément. Regarde son visage. Montre. Regarde. Minuit et demi, Kong. Oui, il est actuellement minuit et demi. Je viens de finir la séance. Le monteur, il en reste deux. On est en train de faire le taf. Donc voilà, ça va clôturer ce vlog training. Donc, mes performances post-Covid, 255 au squat, 155 au coucher et 270 au deadlift. Donc en soi, c'est ok tiers. Genre c'est B tiers. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire. Et je sais que t'es en train de sourire parce que t'as pensé à un truc que t'allais faire au niveau du montage. Va ou faux? T'inquiète. Je te connais. T'inquiète. Mais on se connaît pas assez bien pour que tu sortes avec ma cousine. Aïe. Coup dur pour Guillaume. On mettra un compteur de cousinade, tu vois. Tu sais, faut que tu mettes une frise avec ta tête, la cousine, et genre en fonction, t'avances ou tu t'éloignes du goal, tu vois. T'inquiète. Donc voilà. Donc en vrai, je suis assez content. Par exemple, 270, c'est une barre que j'avais ratée. Pendant ma reprise il y a quelques jours, que là je viens de passer avec un petit peu de marge. Je pense qu'aujourd'hui je pouvais sortir de 75-77. La prépa pour le Center Kermit. Comme je l'ai dit, je sais vraiment pas ce que je fais comme performance. Et en vrai je m'en fous un peu, parce que c'est pas qu'une question de ouais je vais faire une dinguerie. Des fois c'est juste une question de kiffer le moment. En soi, je savais que le turnover après les montres serait très compliqué à gérer, sachant que j'avais pas prévu d'avoir Covid. Donc avec le Covid c'est encore plus compliqué à gérer. Mais au final, je m'en fous, je me démonte pas. J'ai décidé que j'allais y aller, j'ai décidé que j'allais le faire, indépendamment des perfs, et bah, c'est ce que je vais faire. Donc on continue d'avancer toujours avec la mentale d'un Jaeger. Donc voilà les boys, si jamais cette vidéo vous a plu, vraiment likez, partagez, tout ça évidemment ça aide à mieux référencer la vidéo et la chaîne, et moi ça me fait savoir que si une vidéo fait plus de vues, je me dis ah c'est un contenu qui plaît aux boys, donc on va en faire plus souvent. Donc si vous voulez plus de contenu comme ça, un peu vlog, un peu training kiff, faites-le moi savoir.
Évidemment, ce contenu ne remplace pas le contenu explicatif, technique, analyse, etc. qui sort du coup un peu en roulement par rapport à mon planning. Voilà les boys, que du love pour vous, entraînez dur. Pour rappel, ceux qui sont dans le coin, région parisienne, et même ceux qui sont pas et qui veulent juste kiffer un peu, Silent Worker Meet, 2 et 3 juillet. Personnellement, je passe le 2 juillet à 18h. Toutes les infos seront sur Insta dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. Et évidemment, j'en parlerai, je vais faire un peu de propagande pour le Meet, c'est logique. N'hésitez pas à venir, vous allez kiffer, nous on va kiffer aussi. On va pouvoir se rencontrer, parler de force, que des trucs qui nous plaisent et qui est notre passion. Donc ça va être incroyable. D'ici là, il me reste 3 entraînements, lundi, mardi, jeudi. On va bosser dur, je vous montrerai ça. Et on se voit à la prochaine. Équipe, équipe. Ah oui, non, putain, je suis un ouf. Fin de vidéo, propagande, évidemment. Pour rappel, je dispose d'un compte réduction chez Nutrimuscle, NM-Panadis. 10% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi et une brique de plus pour la maison de la maman Mykonos. Évidemment, en parlant de briques pour la maison, Silent Worker, le lien est dans la description, link in the bio, une commande, une brique pour la maison de la maman. Et s'il y a beaucoup de commandes, évidemment, la maison sera très grande et du coup, il y aura plein de petites chambres pour les boys. Donc, on pourra faire un roulement avec un petit Airbnb et tout. Vous inquiétez pas, on va vous mettre bien. Et évidemment, le dernier, mais c'est pas du tout des moindres, SBD, le meilleur équipement de force actuellement sur le marché, les chaussettes. Il y a tout, donc genouillère, ceinture, tout est sur SBD et c'est le meilleur matériel actuellement pour la pratique de la force. Donc foncez, il n'y a pas de code réduc, c'est juste que si jamais vous voulez le meilleur matériel, c'est avec eux que ça se passe. On a fini, je vous love et je vous dis à la prochaine les boys.